Comme nous connaissons déjà, Pelé qui fait le grand voyage. Ça veut dire qui parti, qui pas existé encore. Pelé ça, nous connaissons qui t'a accompli un paquet de gros bagailles dans le monde football là. Que nous même considérons comme meilleur joueur de l'histoire du football. Nous sommes capables de constater que Pelé lui-même qui t'a déjà marqué 13 goals dans la Coupe du Monde. Et qui champion 3 fois Coupe du Monde. Et bien aujourd'hui, nous venons pour nous expliquer, pour nous partager ensemble avec vous, tous 13 goals que Pelé lui-même lui t'a marqué pendant la Coupe du Monde que il était joué depuis 1958 rivé 1970. Nous connaissons que Coupe du Monde 1958 là, c'était la première fois que Pelé lui-même était participé dans la Coupe du Monde. Eh bien, dans la Coupe du Monde ça que Pelé lui-même était participé à, nous capable constater que Pelé lui-même n'est pas arrivé titulaire dans deux premiers matchs qui était joué. Eh bien, dans le premier match que Brésil était joué dans la Coupe du Monde 1958 là, nous avons gagné match l'été joué li face à Autriche côté match ça t'est fini 3-0 que Pelé lui-même li pat titulaire dans match ça. Et deuxième match Brésil là li t'abral joué li face Angleterre côté match ça t'abral fini 0-0. Pas de gol qui t'est fait dans match ça. Et troisième match là Pelé lui-même li t'est joué dans troisième match ça mais Pelé pas arrivé marquer même un gol. Côté match ça t'est fini 2-0 face URSS. Eh bien Pelé lui-même l'itabral titulaire dans match quart final là côté Brésil lui-même il était qualifié qui t'abral affronter pays de Galles. Côté Brésil t'abral fait tomber pays de Galles 1-0 mais qui est-ce qui t'a fait grand goal ça? Eh bien c'était Pelé et c'était premier goal que Pelé lui-même il était marqué dans l'histoire Coupe du Monde. Eh bien c'était dans deuxième tour et quart de finale et goal ça Pelé t'a fait lui dans 65e minute de jeu. Demi-finale là côté Brésil lui-même li t'abral affronter la France. Côté Brésil t'a fait tomber la France 5-2 et nous t'abral gagner un Pelé qui t'abral extraordinaire dans match ça. Côté Pelé t'abral marqué un triplé, côté li t'a fait 3 goals et bien ça t'a fait exactement 4 goals que Pelé lui-même li t'a marqué dans Coupe du Monde. Et bien dans finale ça que Pelé lui-même li t'abral affronter la Suède, côté Pelé lui-même li t'a marqué 2 goals. C'était un Pelé extraordinaire. Ordinaire. Et match ça t'est fini exactement 5-2 côté Brésil lui-même il était champion première fois dans Coupe du Monde et c'était premier titre que Pelé lui-même il était gagné dans Coupe du Monde. Et bien 2 goals ça au Pelé était marqué dans Coupe du Monde là c'était exactement 55e minute de jeu et dans 90e minute de jeu et dans Coupe du Monde ça en tout Pelé était marqué 6 goals dans première Coupe du Monde que il était joué avec Brésil. N'a pas que directement dans Coupe du Monde 1962. Dans Coupe du Monde 1962, Pelé t'a joué un seul match. Côté premier match là, il était affronté Mexique, côté il était fait tomber Mexique 2-0 et Pelé lui-même qui t'a marqué un grand goal dans 2 goals ça, dans 73e minute de jeu. Et bien après match ça, Pelé lui-même était blessé et il était raté toute reste Coupe du Monde là, il pas joué même un match encore. La seule chose Brésil lui-même était arrivé champion Coupe du Monde ça. Et bien green goal ça que Pelé lui-même était marqué en 1962, t'a fait Pelé gagner 7e goal li dans Coupe du Monde. Dans Coupe du Monde 1966 là, et bien c'était une déception totale pour Pelé et pour Brésil. Côté Brésil t'est éliminé depuis dans premier tour. Et bien dans Coupe du Monde ça, premier match que Brésil lui était joué li, il était joué li ensemble avec Bulgarie. Côté il était fait Bulgarie tomber 2-0 et nous t'ai gagné Pelé dans 2 goals ça qui t'est marqué un grand goal dans 14e minute de jeu et t'es fait 8e goal Pelé dans Coupe du Monde. Deuxième match là, c'était bien malheureux que Brésil t'est tombé 3-1 devant Hongrie et Pelé pas marqué goal dans match ça. Troisième match là, Brésil t'est tombé 3-1 face Portugal et encore Pelé lui-même pas marqué dans match ça. Eh bien, nous sommes capables de constater que c'était une déception totale pour l'équipe brésilienne qui était éliminée dans le premier tour Coupe du Monde 1966 là. Côté c'est Angleterre qui était champion Coupe du Monde ça. Dans la Coupe du Monde 1970 là, qui était la troisième fois que Pelé lui-même était le champion ensemble avec Brésil. Dans le premier match, il était affronté Tchécoslovaquie. Côté il était fait tomber Tchécoslovaquie 4-1. Côté Pelé lui-même, t'abral marqué 10e goal li dans 59e minute de jeu. Et yo t'al affronté deuxième match yo ensemble avec Angleterre. Côté yo te fait tomber Angleterre, yon goal à 0 et Pelé pas marqué dans match ça. Et troisième match yo, yo te affronté Roumanie. Côté yo te fait Roumanie tomber
3-2. Côté Pelé lui-même était marqué 2 goals. Et 2 goals ça a été fait. 11e et 12e goal Pelé était marqué dans l'histoire Coupe du Monde. Et goal ça a été fait dans 19e et 67e minute de jeu. Et il était à affronter Uruguay dans demi-finale. Côté il était fait tomber Uruguay 3-1. Et Pelé pas marqué dans match ça. Et dernier match que Pelé lui-même lui a joué dans la compétition 1970 là, c'était face à Italie. Côté où tu fait tomber Italie 4-1. Et c'est Pelé qui t'a marqué premier goal ça dans 18e minute de jeu. Et c'était 13e goal et dernier goal que Pelé lui-même lui a marqué dans l'histoire Coupe du Monde. Eh bien, c'était tout détail ça nous a gagné pour nous aborder Pelé dans l'histoire Coupe du Monde. Comme nous avons déjà connu Pelé lui-même qui t'a marqué 13 goals. Et nous sommes capables de considérer Messi lui-même qui t'a égalé record ça dans la Coupe du Monde Qatar 2022. Ya. Merci à vous-même qui te prend tout le temps, qui te prend son, qui te regarde des vidéos. Je ne vais pas négliger de vous pour abonner à la page là si toutefois vous suivez nous pour la première fois. Et quittez un like dans la vidéo, commentez, dites que vous suivez nous et pas oublier de partager la vidéo ça tout côté. C'est la meilleure façon que vous êtes capable de sponsoriser le travail ça. Déjà, vous connaissez rendez-vous, c'est pour une autre vidéo.